Nous allons démarrer un nouvel exercice dans un tableur qui nous permettra d'en voir différentes fonctions. Je vous propose pour la préparation de cet exercice d'ouvrir d'abord votre tableur, la partie classeur. Et simplement, cet exercice consistera à faire une étude annuelle de vente, par exemple. Voilà, le titre étant saisi en A1. Nous le situerons après au milieu, comme nous l'avons vu dans certaines vidéos précédentes. L'objectif pour préparer un exercice est de, dans un premier temps, peut-être directement l'enregistrer, donc en faisant fichier enregistrer ou enregistrer sous, puisque c'est la première fois que nous l'enregistrons, même si je clique sur la fonction enregistrer. Il va me proposer de l'enregistrer, mais de définir l'emplacement de l'enregistrement. Dans un tableur, le document, je vous rappelle, ne possède pas de nom, donc ce sera à nous de le nommer. Je vais l'enregistrer dans mes documents, où l'on peut ici situer quelques dossiers. Et tout simplement, j'ai la possibilité à ce moment-là de créer un nouveau dossier en cliquant sur le bouton Nouveau dossier. Et je vais enregistrer ça dans une partie que je vais appeler Tableur. Je valide avec Entrée, ou j'aurais pu cliquer Ouvrir. Et je vais pouvoir alors enregistrer dans Document, dans un sous-dossier qui s'appelle Tableur, je vais enregistrer mon nom de fichier que j'appelle Études annuelles. En validant Enregistrer, je vais constater que mon fichier va prendre ce nom ici en haut à gauche. Voilà, étudesannuelles.ods. Mon fichier est donc prêt à être utilisé et enregistré. Ça veut dire que s'il m'arrivait un pépin, je pourrais préserver au moins des premières données déjà saisies. C'est à vous.